Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto couture, un top pour l'été. Donc c'est un peu une variante de la dernière fois, sauf que là au lieu de couper des carrés, j'ai coupé en cercle. En fait, j'ai trouvé le premier tellement agréable à porter que j'en ai refait un autre tout simplement. En plus, j'avais pas de petit haut blanc, donc voilà, c'était l'occasion. J'ai rajouté aussi de la dentelle. En parlant de confort, le top que je porte aujourd'hui vient du magazine Autobray. Printemps-été 2017 et c'est le modèle Swing. Donc en fait je le trouve super confortable, en plus il est déclinable à l'infini, il peut aussi bien se porter comme ça avec un tissu sympa qu'on peut porter tous les jours. Il est vraiment confortable et agréable à porter. Donc voilà, je vais vous laisser avec ma vidéo en espérant qu'elle vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre un petit pouce. Au revoir! Je commence par plier mon tissu en quatre. Pour mon premier cercle, je prends un rayon de 50 cm. Pour la poitrine, je prends mes mesures à 18 cm pour l'ouverture. Voilà pour mon premier cercle, maintenant on s'attaque au deuxième. Pour mon deuxième cercle, j'ai pris un rayon de 40 cm. Et de la même façon, j'ai mesuré 18 cm pour l'ouverture de la poitrine. Donc je superpose mes deux cercles en prenant comme repère la croix du milieu que j'aligne. Donc j'épingle mes deux triangles pour la poitrine et les deux triangles restants, je vais les couper. Voilà, il ne me reste plus qu'à coudre ma poitrine ainsi que mon dos.
Donc je mets mon petit haut sur l'endroit et je sors les angles. En guise de bretelle, j'ai choisi de poser de la dentelle ainsi que dans le décolleté. Donc je coupe ma dentelle dans le biais de façon à pouvoir la coudre dans le biais pour qu'elle soit parfaitement adaptée à mon décolleté. Je vais maintenant coudre mes bretelles à mon dos. Pour ceci, je vais mesurer 10 cm de chaque côté du milieu du dos. Et j'ai mesuré des bretelles d'environ 40-45 cm. J'ai utilisé un tissu très fin.